qui va abriter désormais le ministère de Finances, donc le cabinet du ministre de Finances, ce qui va abriter également les cabinets du ministre du Budget. Ça va abriter toutes les trois régies financières et pour certaines, tous les services seront logés ici dans ce centre financier et pour d'autres, ce sera partiellement comme la DGDA, n'est-ce pas, et la DGI, la Direction Générale des Impôts. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici dans la salle, la grande salle des congrès, n'est-ce pas, la salle des conférences du centre financier de Kinshasa et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déjà sur place pour inaugurer ses ouvrages qui remettent sur la scène, n'est-ce pas, de l'international, la République démocratique du Congo, jusqu'à Koussema, donc ce centre financier de Kinshasa, et les fruits de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, une méga structure qui est située entre le palais de justice, le ministère des Affaires étrangères, la fonction publique, ainsi que l'Athénée de la Gombe. Nous sommes dans la commune portant le même nom, jusqu'à Koussema. Bonsoir, cher Oscar Mbalkaïch. Bonsoir, chers téléspectateurs qui nous suivent sur la RTNC, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Nous sommes bel et bien le mardi 19 décembre 2023, une date qui sera marquée de plus belle manière, en tout cas, qui va marquer les annales de l'histoire du pays en termes d'infrastructures. Dans les minutes qui vont suivre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder à l'inauguration du centre financier de Kinshasa. Il s'agit d'un complexe immobilier qui est sorti des terres dans l'espace compris entre le palais de la justice, d'une part, le ministère des Affaires étrangères, d'autre part, l'Institut de la Gombe, l'école turque et le bâtiment administratif de la fonction publique. Alors, nous sommes pour l'instant dans cet amphithéâtre qui s'appelle la salle des congrès. En ce moment, vous voyez, c'est la fanfare, c'est la musique classique de l'église Kimbangis qui est en train d'agrémenter cette soirée sous l'admiration de ce public qui est émerveillé de voir un tel espace, un auditorium de plus de 1200 places assises ici, aménagé en espace de Gombe. Et l'un des moments forts sera justement la prise de parole devant cette tribune. Trois ou quatre prises de parole principalement, dont celle du ministre des Finances. C'est lui qui a été en tout cas au suivi quotidien de l'aboutissement de ces projets initiés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et d'ailleurs, en ce moment, le chef d'État lui-même a fait son entrée ici. Il est bien installé dans un salon présidentiel aménagé ici. Après ces moments, viendra l'autre moment le plus important. Alors, retenez, partout où vous êtes, vous pouvez sortir de chez vous et suivre le spectacle qui partira de la commune de Gombe, parce qu'il va y avoir de confettis, un spectacle éblouissant préparé des jours et des nuits par des experts congolais qui ont travaillé avec leurs homologues venus de Turquie pour marquer donc cette fête. Donc vous l'avez dit, les infrastructures, le développement des infrastructures fait partie de piliers de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'a de cesse de le dire. Il en a six piliers. Cette cérémonie marque justement. Voilà, le chef de l'État va faire son entrée dans cet amphithéâtre sous les applaudissements de ces publics triés sur les volets, en tout cas, qui est venu assister en tout cas à cette grande fête. Nous aurons le temps de vous montrer en détail en tout cas les spectacles qui vont se passer dehors. La RTNC, en collaboration avec des équipes turques, ont mis tout le moyen pour vous faire vivre ces spectacles inédits, un spectacle riche en couleurs. Le chef de l'État vient donc de faire son entrée et il y a cette musique spéciale pour le président de la République. Je vous laisse quelques instants pour suivre cette musique classique imbaniste.
avec Turc, mais avec la collaboration d'une main-d'œuvre locale. Ils sont nombreux, ils sont plus de 500 jeunes qui travaillent ici jour et nuit pour offrir à la République cet imposant bâtiment. Il faut visiter. Et celle qui est du côté du ministère des Affaires étrangères est dédiée au ministère des Finances. Et en face, l'autre tour jumelle qui se trouve du côté de l'école turque ou encore de l'Institut de la Gombe est réservée au ministère du Budget. Maintenant, il y a un espace festif de beaucoup de salles, beaucoup de restaurants et puis un hôtel 5 étoiles d'une vingtaine de niveaux. Ici, plusieurs compartiments privés, bref, 6 beaux bâtiments sortis des terres et dont les travaux sont presque arrivés à terme. Alors, en ce qui concerne cet hôtel de luxe, il comprend 240 chambres de luxe répondant aux standards internationaux. 240 chambres, c'est dire que ce sera l'un des plus grands hôtels et des plus beaux hôtels de la ville capitale Kinshasa. Cette chorale va donc agrémenter cet instant en présence du président de la République qui a pris sa place au centre dans cette salle de spectacle. Il apprécie à sa juste valeur en tout cas cette musique qui est bien donnée par la chorale Kimbanguiste. Et bientôt va commencer la cérémonie avec la première partie réservée aux prises de parole. Le président du conseil d'administration du groupe Milvest, l'entrepreneur turc, prendra la parole en tout cas. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'exprimera également. Il est possible aussi que le président de la République s'adresse un peu à ses publics. Qui est venu, c'est pas dans ses habitudes, c'est pas dans les protocoles ordinaires, mais c'est un jour de fête. Et la deuxième partie sera marquée par cette visite des lieux, cette visite des propriétaires. Nous aurons le temps de vous montrer tout cela parce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour tout vous faire vivre. La deuxième partie sera marquée par un spectacle éblouissant. Nous avons parlé de cette fontaine et de toute cette décoration, de tous ces confettis. Ces immeubles, comme on le voit avec la Burj Khalifa, ça nous rappelle la Burj Khalifa, ces spectacles, cette fontaine, ces jets d'eau devant la Burj Khalifa, ça c'est aux Émirats Arabes Unis, tout comme la coloration de la tour Eiffel. Et donc ces deux tours vont nous reproduire les drapeaux nationaux et l'emblème national également. Donc je vous laisse un peu en suspense pour attendre ces spectacles qui ne manquera pas de débuter dans les instants qui suivent. Donc pour l'instant, cher Oscar Mbal, nous sommes encore dans cet amphithéâtre de quelques 1200 places assises qui a été aménagé et d'où partira la première partie de cette importante cérémonie. Oui, Giscard Koussema, nous allons prendre Astrid au Congo, mais il faudra signaler que plus de 3000 ouvriers, dont 1200 Turcs et plus de 1800 Congolais, ont travaillé des jours comme des nuits pour les résultats que vous voyez aujourd'hui, parce qu'après la salle, je pense que les chefs de l'État ainsi que tous ces invités de marque, ils vont se déporter pour inaugurer officiellement justement ces centres financiers de Kinshasa. Il y aura des feux d'artifice, des jeux de lumière, n'est-ce pas? Raison pour laquelle je m'imagine cette cérémonie est organisée dans la soirée, parce que elles méritent tout son pesant d'or. Elles vont donc tout son pesant d'or dans ce sens que la RDC dispose désormais des centres d'un centre. Voilà, là c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salve d'acclamation que le chef de l'État fait son entrée ici dans la salle des congrès au centre financier de Kinshasa. Décontracté, tout sourire. Le président de la République qui exprime en tout cas un sentiment de satisfaction. Lui qui était à la pose de la première pierre il y a moins de 2 ans seulement et qui voit aujourd'hui sortir des terres ces beaux bâtiments. Nous aurons le temps de le voir de plus près à travers les spectacles qui est préparé. Pour l'instant,
Les chefs d'État, les voilà, ils montent. Et regardez, hein, ce n'est pas dans... Il est habillé dans ce qu'on appelle mounieré, un peu comme le sphinx limité, n'est-ce pas? Oui, ça rappelle les années combattants. Donc c'est un... il est là, il prend sa place au centre même, il est donc en face. Et dès cet instant, vous allez remarquer que c'est une musique magique. La note va changer. C'est une musique majestueuse qui est exécutée pour le plaisir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient aujourd'hui inaugurer une œuvre qu'il a lui-même conçue, et dont il a suivi les travaux et qu'il vient aujourd'hui inaugurer en un temps record, comme pour dire que la renaissance de la République démocratique du Congo est possible. Il suffit d'avoir un peu de volonté politique, comme et le président de la République, lui, a plus qu'une volonté politique, il a une vision. Et que l'un des piliers de cette vision, c'est justement le développement des infrastructures. Nous venons de le voir, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est en fait l'épilogue d'une longue journée qui a été consacrée à l'inauguration des infrastructures. Nous allons rappeler que le président de la République a commencé sa journée par inaugurer le nouveau campus de l'Université pédagogique nationale, la deuxième plus grande institution universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous allons continuer avec l'orchestre symphonique kimbanguiste. En ce moment-ci, nous invitons le maestro Tiangenda Wabasolele Armand pour diriger cette séquence musicale. Il va monter sur le podium. Le chef de l'État, j'imagine quel bonheur il ressent, dans le sens que c'est lui qui a posé la première pierre. Et aujourd'hui, l'ouvrage est terminé et lui-même, il a encore l'honneur de présider cette cérémonie d'inauguration de ce centre financier de Kinshasa, n'est-ce pas? Une grande première. Diangenda reste une icône dans la musique classique. Vous allez voir ses notes. Hein, il a, comme je l'ai dit, une musique, une partition majestueuse pendant une dizaine de minutes, en tout cas, pour le plaisir des invités de marque et surtout pour les grands bonheurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a le sentiment du devoir. Thank you.
large sourire, en tout cas, c'est bon pour lui avec le sentiment du devoir accompli. On va suivre, je crois, une autre partition. Voilà, une autre séquence, voilà. Les maestros d'Angenda. Et la plupart de tous ces chants, ce sont des anciens de l'INA. Oui, effectivement, ça c'est de la musique enseignée, c'est de la musique apprise. C'est vrai, il y a une partie du talent naturel, mais aussi il y a l'apprentissage et on le sent. Donc pour reprendre les termes de Jean Roubal, ça c'est de la musique, de la vraie musique classique. Okay, il y a une partie de l'art inné, mais il y a aussi une partie de la science, c'est-à-dire de la musique étudiée. Il arrache une salve d'applaudissements de la salle. Et voilà, c'est un spectacle inouï, une grande première dans cette salle de congrès. Et nous continuons avec la musique classique, mais la congolaise. Oh,
Voilà, c'est la célèbre chanson, cette musique classique, Action des Grâces. Et effectivement, nous devons rendre grâce à Dieu pour ces centres financiers que Dokken ait pensé qu'un jour se terminer. La chorale kimbanguiste. Merci, nous allons leur demander de pouvoir libérer la scène. A fini sa prestation. On va entrer maintenant au moment de prise des paroles. Alors, nous rappelons ici que parmi les prises des paroles attendues ici, il y a les mots du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais en tout cas, il a promis de placer quelques mots, mais bien avant lui, il y aura une série de prises de parole, dont celle du patron du groupe Milvest qui est installé à Kinshasa et qui suit de près l'exécution de ses travaux au jour le jour. Il y a aussi le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. D'ailleurs, les deux personnalités sont côte à côte. Monsieur Tourane, qui est le PCA du groupe Milvest, qui en ce moment qui est aux côtés du ministre des Finances, les deux personnalités. Va bientôt inaugurer, a été construit par Milvest. Les travaux de construction ont débuté en mai 2022 sur une zone d'une superficie de 150 000 mètres carrés dans la ville de Kinshasa, à la commune de la Gombe. Le centre financier de Kinshasa est composé de 7 bâtiments, dont un hôtel de 240 chambres, et dans où sera regroupé les ministères des Finances, le ministère du Budget, les directions générales des régies financières et toutes les unités connexes. Il comprend également un centre de congrès polyvalent d'une capacité d'environ 3000 personnes. La mise en œuvre du projet a impliqué 3500 travailleurs congolais et 2000 travailleurs turcs. Le projet a été achevé dans un délai très court de 14 mois. Cette architecture moderne, sortie du sol, sous l'impulsion et la vision de Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sera à jamais marquée et gravée dans la mémoire des Congolais. À cette occasion, nous prions l'assistance de féliciter le président de la République par des ovations et des applaudissements très nourris. Encore une fois, merci. Nous allons suivre la projection d'une vidéo depuis le début de la construction jusqu'à l'étape finale. Merci. Encore une fois, nous applaudissons notre chef de l'État. Vidéo, une projection, tout naturellement sur les différentes péripéties, les différents grands moments. Depuis la pose de la première pierre pour la construction de ces centres financiers de Kinshasa jusqu'à sa mise en œuvre aujourd'hui, parce que les centres financiers de Kinshasa est aujourd'hui une réalité. Vous avez suivi les modérateurs tout à l'heure. Ces centres financiers de Kinshasa va abriter
le trois ministères, d'abord les ministères des Finances, le ministère du Budget ainsi que leurs services connexes, sans omettre les trois régies financières, dont l'une, la DGRAD. Voilà. Nous allons vous laisser suivre cette vidéo. De Kinshasa et du congrès en même temps, la salle de congrès où nous nous trouvons avec le président de la République ainsi que tous ses invités, notamment la délégation turque. Giscard Kousséma l'a dit tout à l'heure, une délégation qui est conduite par le président du conseil d'administration de l'entreprise Milvest qui a justement exécuté ses travaux. C'est la filiale de la firme turque Miller Holding qui a construit ces complexes dont l'inauguration intervient aujourd'hui sous les auspices du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons donc vous laisser suivre cette vidéo et on se retrouve après. Chilombo, l'homme le plus heureux Excellence. De ce soir, Giscard Kousséma. Et c'est en 14 mois que de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. En ces jours du 19 décembre 2023, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République,
procédera à l'inauguration du centre financier de Kinshasa. Sont présents dans cette somptueuse et moderne salle des congrès du centre financier de Kinshasa les chefs des corps constitués de la République démocratique du Congo, les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les responsables des entreprises publiques et privées, les responsables des régies financières de la République démocratique du Congo, la délégation de la République des Turquies, les hauts cadres de Milvest, ainsi que plusieurs autres invités du monde financier national et international. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, il est prévu au programme de la cérémonie d'aujourd'hui le mot de circonstance de M. Jean Bureau, propriétaire de la GEMO. 2. L'allocution de M. Turan Mildon, président du conseil d'administration de Milvest. 3. L'adresse de M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Et enfin, votre discours, Excellence Monsieur le Président de la République, suivra ensuite la remise du cadeau du président du conseil d'administration de Milvest à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et la séance des photos de famille pour immortaliser l'événement de ce jour avant la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale, marquant ainsi l'inauguration effective du centre financier de Kinshasa, suivi de la visite, du show de la fontaine et feu d'artifice. Nous sollicitons votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, pour inviter M. Jean Bureau, propriétaire de la GEMO, pour son mot de circonstance. Série des prises de parole qui commence. Il y aura 3 prises de parole si j'ai bien suivi le programme. Après, ça sera l'inauguration du centre financier de Kinshasa avec les jets d'eau et le feu d'artifice. Et ce sera donc le clou de cette manifestation, cette cérémonie, parce que le chef de l'État va recevoir aussi un cadeau de la part du président du conseil d'administration de Milvest. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de représenter ici ce soir le groupe GEMO Management, un groupe européen spécialiste de grands projets de construction. Nous intervenons depuis 50 ans partout dans le monde, principalement dans les pays francophones. Nous sommes présents en République démocratique du Congo depuis quelques années et sommes très admiratifs du développement rapide que nous constatons sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est avec un immense plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous face au Centre des Finances et des Congrès de Kinshasa. Permettez-moi de vous raconter comment cela a commencé. Début 2022, nous avons participé à l'appel d'offres pour la mission de contrôle des travaux du Centre financier. C'était une chronologie surprenante, car cela faisait 40 ans jour pour jour que mon père, le fondateur du groupe, avait lui-même été contacté par le président Mitterrand pour prendre en main les travaux du ministère des Finances français à Paris. Ce bâtiment avait pour vocation de transférer l'ensemble de l'administration, alors basée dans l'aile Richelieu du Louvre, qui n'était pas un musée, dans un bâtiment plus fonctionnel à Bercy. C'est donc le même objectif que poursuit le ministère aujourd'hui, en regroupant ses services dans le centre financier de Kinshasa.
Ça. Lorsque nous sommes arrivés, le ministère nous a indiqué qu'il fallait finir les bâtiments, tous les bâtiments que vous avez pu voir ce soir, plus de 150 000 mètres carrés, en seulement 18 mois. Évidemment, ces délais nous ont semblé très ambitieux, vraiment très ambitieux, et nous disons très pour ne pas dire trop. Comment imaginer que cet ouvrage pourrait être construit en un an et demi, lorsqu'il avait fallu à la France 2 ans d'études et 5 ans de travaux pour ériger son propre ministère? J'avais là sous-estimé la volonté du ministre des Finances, M. Nicolas Cazadi, ainsi que l'efficacité de ses services. J'avais sous-estimé aussi la capacité de l'entreprise Milvest et de son président, Turan Mildon, à relever ce défi. Force est de constater que le résultat est là, devant vous, mesdames et messieurs. Ce bâtiment est là. Et il répond aux plus exigeants standards internationaux de projets corporate. Vous pourriez croiser un bâtiment de cette qualité en plein cœur de Manhattan. Pour les professionnels de la construction que nous sommes, il est facile de se rendre compte à quel point il est exceptionnel de faire sortir du sol un ouvrage de cette taille et de cette complexité en seulement 18 mois. Je vais partager avec vous quelques indicateurs qui vont vous permettre de prendre la mesure de cet exploit. Plus de 10 000 tonnes d'acier ont été utilisées, ce qui est l'exact poids de la Tour Eiffel. La structure complète du bâtiment a été construite en 9 mois. Cela signifie que 300 mètres cubes de béton ont été déversés chaque jour, soit l'équivalent d'une piscine olympique de béton déversée chaque semaine. Je crois d'ailleurs savoir, Monsieur le Président, que le béton est particulièrement apprécié ces derniers temps en République démocratique du Congo. La façade du bâtiment a été construite en 6 mois. 675 mètres de façade ont été posés chaque jour, soit l'équivalent de deux terrains de football chaque mois. Enfin, 3000 km de câbles ont été installés, soit la distance aller-retour de Kinshasa à Lubumbashi. Tout cela représente des chiffres impressionnants, qui n'aurait pas été possible sans la collaboration de l'ensemble des équipes de construction, les architectes, les ingénieurs, les contremaîtres, les ouvriers. À certaines périodes, plus de 4000 personnes intervenaient le jour comme la nuit. À tous, nous leur disons merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances, je tiens à préciser à quel point ce fut pour moi une immense fierté de participer à ce projet construit pour les 100 ans à venir. Je tiens aussi à vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de mon groupe, des années prospères pour votre grand pays qui permettront d'utiliser ce bâtiment comme il se doit. Merci. Nous invitons M. Turan Mildon, président du conseil d'administration de Milvest, pour son allocution.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Boten Abino. As Miller Holding and Midwest family, we are honored to be with you today as we are bringing a precious investment to Kinshasa. We are very happy and proud to inaugurate the Kinshasa Congress Center and Kinshasa Finance Center. This project will be the place where the attraction, not only the Democratic Republic of Congo, but also the whole Africa beats. The Democratic Republic of Congo, which has very deep historical and cultural values, is becoming a shining star of the African continent every year. Particularly, with His Excellency Félix Tshisekedi coming to power in 2018, DR Congo has become one of the fastest growing economies in Africa. According to IMF data, DRC is the second fastest growing country in the entire continent with an expected annual growth rate of 6.7%. We firmly believe that the investment-friendly policies and incentives pursued by the government will transform this country with the great potential it has. This place will be the center of attraction not only in Central Africa, but also in the whole continent. In parallel with this belief, we as a Turkish company have chosen the DR Congo as the center of our investments in the African continent. Since the first day we arrived, thanks to the interest shown to us by the both state authorities and the Congolese people, we have never seen ourselves as a foreign company, but as a local company here. We realize all our projects with this feeling and the spirit. Today, as a company, we are putting down very strong roots in this beautiful country with a direct investment total of $190 million in various sectors and fields, and with more than 6,000 colleagues, and creating even more value to the environment, business environment, with the subcontracting that we are creating. This is just the beginning for us. Strong countries, like we are here right now, strong countries exist only with strong leaders. Today, together with President Félix Tshisekedi, this country is walking towards the future with strong steps than ever before. Félix Tshisekedi, who has already become a legend in the history of the country with what he has achieved in the short period of time, and who has brought back a strong Congo back to the world politics with all the potential of natural resources and human resources, Mr. President, you will turn this country to a world power. I believe to this with the bottom of my heart. The Kinshasa Congress and Kinshasa Finance Center, which we are inaugurating here today, will be a driving force for the development of the country with an investment budget of $290 million. The construction time for the Finance Center, which includes 7 buildings, took us 14 months to finish. And Congress Center, that we are inside right now, took us only 9 months to finish. With your authorization, Mr. President, I would like to give an applause to all the colleagues, Turkish and Congolese colleagues that we have, that fight with us to accomplish this project together. It is showing clearly that everything is possible when we believe in it. Here'll be a center where the heart of the financial markets of not only Congo, but also the Central Africa, even the African continent beats. The Congress and Finance Center will be the shining star of Kinshasa
whose value increases every year with the hotel, rentable spaces, social spaces, and so on. It will provide a huge impact for the economy of the country. This project that we are talking about right now is just one of the values that our company brought to Kinshasa. With the Kinshasa Arena, which will be the largest indoor sports hall in the African continent with 20,000 people capacity, the construction of the Enjili Airport, another important project that will be not an additional burden on the state budget, and other infrastructure and superstructure projects that we have implemented to the Democratic Republic of Congo will be one of the most that will bring DRC one of the most attractive places, not only in the continent, but also in the world. All these achievements that we are talking about right now is just a work of less than 2 years. Can you imagine if we have started our projects 5 years ago? I strongly believe that the country's leap in the last 5 years in financial, economic, military, education, health, agriculture, infrastructure, and many other sectors will reach much higher level in the next 5 years under the Mr. President Félix Tshisekedi. As a lover of this country and the honorary member of this country, I would love to express my thankfulness to Minister of Finance Nicolas Cazedi, who has paved the way for the investment and the financial sector in the country, despite the whole economical and political difficulties in the world. Tripling the state budget and increasing the national reserves significantly when took place during his ministry is an admirable achievement. I would like to thank you for your achievements, Mr. Minister. Mr. President, your vision has pioneered not only the development of the Democratic Republic of Congo, but also the development of the relations between Congo and Turkey, and the good cooperation between the two countries. 3,500 citizens of the DR Congo and 2,500 Turkish colleagues worked in this project together. It's a clear example what our two nations can achieve together when we want it. I would like to express my gratitude to the President of the Republic, Félix Tshisekedi, the Prime Minister Lekonde Sama, Minister of Budget Emma Boji, Minister of Finance Nicolas Cazedi, and the whole government for their commitment to the successful realization of this beautiful project. As Miller Holding, we strongly believe that our investments will create sustainable value to the country, and we will work together with each and every individual in this country to a brighter future. Here in your presence, I would like to repeat the promise I made to our President, Félix Tshisekedi. As long as this soul will be in this body, I will continue to work, fight, and deliver for this beautiful country. I would like to thank all of you for being here, for your precious presence, and I would like to celebrate and enjoy this night together. Thank you so much. Terminer son allocution, nous retenons parmi le message le plus important, c'est que son groupe Milvest est en train de construire en ce moment l'aréna de Kinshasa. C'est le même groupe qui a eu le marché de l'aéroport international de Ndjili. Ce n'est pas tout, il y a également la foire internationale de Kinshasa. Et s'il travaille avec la même vitesse qu'ici, nous pensons nous allons que Kinshasa pourrait changer de vidéo sur les réalisations du chef de l'État pendant son mandat.
CEO du Congrès de Kinshasa. Voilà le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que plusieurs autres invités. Monsieur Nicolas Kazadi, voilà, ministre des Finances, pour son adresse. Des Finances, Nicolas Kazadi, qui va prendre la parole justement pour dire quelques mots, parce qu'ils ont été à la base, au départ de cette œuvre, de cet ouvrage aujourd'hui, qui a atteint la maturité, qui est arrivé à son terme, les centres financiers de Kinshasa. Il aura l'honneur d'abriter le bureau du ministre des Finances Nicolas Kazadi, du ministre du Budget, ainsi que des trois régies financières, la DGRA, la DGI et la DGDA, ainsi que d'autres services connexes, notamment les BCECO. Voilà, Nicolas Kazadi. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Sao Tomé, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, cher aimé, chers collègues membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration du centre financier et du centre des congrès de Kinshasa. Permettez-moi de saluer de nouveau et de rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision et le leadership ont rendu possible la réalisation de ce projet ambitieux. Monsieur le Président, le centre financier et le centre de congrès de Kinshasa symbolisent votre détermination à bâtir une nation moderne, prospère et ouverte sur le monde. En tant que ministre des Finances, ce fut un honneur pour moi d'avoir reçu de vous cette noble mission pour concrétiser votre vision à travers ce qu'il y a à peine 18 mois n'était encore qu'un simple projet. Ce projet, Monsieur le Président, il s'imposait à notre pays pour de nombreuses raisons. Je n'en citerai que quelques-unes. D'abord, parce que notre économie a amorcé une croissance qui est appelée à se consolider compte tenu de notre positionnement au regard des grands enjeux mondiaux actuels. Durant ces trois dernières années, le budget de l'État a été multiplié par trois et le pays met en œuvre l'un des plus ambitieux programmes de réforme des finances publiques de son histoire, réforme qui s'appuie notamment sur l'économie numérique. La loi introduisant l'impôt sur les personnes physiques que vous venez de promulguer, Monsieur le Président, et qui est sans conteste la plus grande réforme fiscale qu'aura connue notre pays depuis 1969, aura pour principal effet d'accroître de manière exponentielle le nombre de contribuables, et cela nécessitera une augmentation significative du personnel de l'administration des impôts. Aussi, durant ces cinq dernières années, notre pays a multiplié par trois l'encours des fonds mobilisés auprès des bailleurs traditionnels, tout en demeurant l'un des pays les moins endettés au monde. Notre défi le plus urgent à cet égard est de pouvoir dépenser effectivement et efficacement tous ces milliards mobilisés. C'est pourquoi le ministère des Finances est en train d'entreprendre la réforme de ses services de coordination et de mise en œuvre des projets avec l'appui de l'Institut Tony Blair. Nous allons doter notre pays de delivery units outillés pour relever ces défis et accélérer la transformation de notre pays. Je pense notamment à quelques projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sont en cours de mise en œuvre. Projets qui sont d'ailleurs attendus avec impatience par notre population. Je pense
à la route Kisangani-Beni, à la route Kananga-Mbujimayi, à la route Mbujimayi-Bukavu, à la route Bukavu-Goma, tous des projets financés avec l'appui de nos partenaires et déjà en phase de démarrage. Ces projets transformeront notre économie et seront une contribution majeure à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président de la République, ces performances inédites, faites sous votre impulsion, nécessitent des infrastructures adéquates afin de les pérenniser. Le cadre de travail offert à nos régies financières et à l'ensemble des services du ministère permettra d'accroître la productivité de l'administration publique, la synergie entre services et l'efficacité dans la prise de décision. Par ailleurs, l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sécuritaires qui se trouvent au cœur de nos problématiques nationales de développement et qui placent notre pays, notre nation, au cœur des enjeux régionaux, continentaux et mondiaux, appelleront à faire de notre pays, de notre capitale, un nouveau centre émergent d'idées, de l'innovation et des investissements afin de créer de nouvelles opportunités pour nos concitoyens, pour l'Afrique et pour le monde. En dépit du vécu parfois douloureux et souvent injuste qui a émaillé notre histoire de ces 30 dernières années, notre pays n'abandonnera jamais sa vocation, une vocation de grandeur, celle du deuxième pays du continent par sa superficie, celle du plus grand pays francophone par sa population, celle du garant de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité en tant que pays-solution, celle d'un pays profondément pacifique et ouvert sur le monde. Excellences, Monsieur le Président, à travers cet édifice que vous inaugurez aujourd'hui, édifice qui s'inscrit dans la longue série de projets que vous avez déjà impulsés, vous inscrivez le pays et votre personne dans cette perspective de grandeur, fidèle aux principes et à l'idéologie héritée de votre défunt père, notre leader d'heureuse mémoire, j'ai cité Étienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, la réalisation de ces deux projets d'envergure témoigne de l'engagement du gouvernement congolais en faveur du développement économique et de la promotion de notre pays sur la scène internationale. L'entreprise turque Milvest, pilotée par Turan Mildon, aura été une véritable révélation par l'excellence de sa performance. Elle est aussi une source d'inspiration pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs et pour notre jeunesse. Le centre de congrès de Kinshasa sera le symbole de notre détermination à être un acteur majeur sur la scène internationale. Ce lieu sera le théâtre de rencontres diplomatiques, culturelles, de conférences internationales et d'échanges intellectuels. Il renforcera notre position en tant que destination privilégiée pour les événements d'envergure mondiale. Le centre des congrès de Kinshasa sera le lieu où les idées et les visions se rencontreront pour façonner un avenir meilleur pour notre pays et pour l'Afrique tout entière. Il sera bientôt complété par d'autres projets structurants et d'envergure, notamment l'aréna sportive de 20 000 places, la plus grande du continent, la foire internationale de Kinshasa, ainsi que le futur aéroport international d'une capacité de 8 millions de passagers, avec son viaduc suspendu sur le fleuve Congo, le reliant à la capitale en moins de 15 minutes. Excellences, Monsieur le Président, bâti sur un terrain qui était promis à des projets qui n'ont jamais été réalisés par les régimes précédents, ce miracle réussi en si peu de temps
est et demeurera l'illustration de votre vision. C'est un honneur de vous présenter aujourd'hui le Centre financier et de congrès de Kinshasa. Ce Centre financier et des congrès de Kinshasa est le symbole de votre vision, disais-je, et nous n'avons fait qu'y mettre tout le sérieux nécessaire pour qu'il soit réalisé en un temps record, avec la plus grande efficience et efficacité. C'est un ouvrage qui fera date, non seulement en termes de rapport qualité-prix, mais aussi et surtout sur le qualitatif des ouvrages qui nous sont livrés ce jour. L'une des leçons apprises de cette expérience est que l'on ne peut changer son environnement, sa réalité, sans parfois prendre le risque d'être disruptif. Parce qu'il n'est pas possible d'arriver à de grandes choses dans notre pays si nous nous laissons décourager par ceux qui ne veulent pas voir le changement de paradigme. En plus d'être une réponse aux besoins d'infrastructures administratives, ce complexe a l'avantage de générer des ressources et la durée de son retour sur investissement est estimée à 10 ans. C'est dans cet esprit que sa gestion sera en grande partie confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement à l'initiative du ministère des Finances, avec notamment pour mission d'accélérer le développement socio-économique du pays et l'amélioration des conditions à travers divers projets d'infrastructure et de diversification de l'économie. Il se positionnera également comme partenaire de confiance pour les investisseurs et aura comme vocation d'investir avec ces derniers dans des projets stratégiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ces réalisations sont le fruit d'un travail d'équipe, d'une collaboration infiniment plus forte qui va bien au-delà du ministère du Budget et des Finances, qui vont loger dans les deux principales tours. Je voudrais saluer ici la collaboration de l'ensemble des membres du gouvernement, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, ici présent, collaboration qui a rendu possible cet exploit, réaliser un si grand ouvrage en si peu de temps. Je voudrais également féliciter toutes les autres personnes qui ont contribué à ce succès, les architectes, les ingénieurs, le personnel du gouvernement ou des investisseurs. Mais je suis particulièrement impressionné par le progrès fulgurant de notre main-d'œuvre locale qui a travaillé avec sérieux aux côtés de la main-d'œuvre turque et qui, avec cette nouvelle expérience, se vendra beaucoup plus cher sur d'autres projets et tout cela réduira bien entendu notre dépendance à la main-d'œuvre qualifiée étrangère. Ces travailleurs sont ici représentés dans la salle. Je voudrais leur dire, vous êtes nos héros et je vous demande de les applaudir une fois de plus. En ce jour d'inauguration, nous célébrons non seulement la concrétisation de ces deux projets, mais aussi l'esprit de progrès et d'innovation qui anime notre nation. Le Centre financier et le Centre de congrès de Kinshasa sont des symboles de notre ambition collective et de notre volonté de construire un avenir meilleur pour tous les Congolais. Une seconde phase de livraison interviendra en juin 2024 avec notamment l'hôtel Marriott 5 étoiles de 240 chambres et 4 suites présidentielles dont vous avez pu apercevoir le bâtiment sur l'esplanade de ce beau site. Il y aura également le nouveau siège de l'Office des routes, immeuble de 15 étages, situé à quelques mètres d'ici, sur l'avenue des Cliniques. Je voudrais ici exprimer ma profonde gratitude au Président de la République pour sa vision clairvoyante, son dévouement sans faille et son leadership inspirant. Grâce à sa détermination et à son engagement envers le développement économique de notre nation, la République démocratique du Congo franchit aujourd'hui une nouvelle étape vers un avenir radieux.
Je vous remercie pour votre aimable attention. Nous remercions Monsieur le ministre des Finances pour son allocution. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son discours. Centre financier de Kinshasa, quel est le Yangolo, Yakufukisabana Congo. Inzo geta la mambo ya mbongo, inzo geta la mambo ya budget, tiba ina nyonso ya nkaka fitifuti geta la mambo ya mbongo. Na kati ya Congo Democratique, tafukana na kati ya inzo yae, samu na kupesa kikesa, kingolo, nyonso tambula na mutinu mosi ya mbote kekota na kati ya ntomosono, beto nyonso. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République de Sao Tomé, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les diplomates ici présents, les ambassadeurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'entreprise Milvest, cher Turan, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Une exception aura été faite ce jour à travers l'invitation me lancée par le protocole de m'exprimer au cours de cette cérémonie d'inauguration de cet ouvrage unique dans notre paysage national. En effet, l'inauguration du centre financier de Kinshasa se veut un événement historique qui vient matérialiser la vision que j'ai toujours eue, celle d'une République démocratique du Congo décomplexée, capable de relever la tête et de revendiquer davantage de dignité, de développement et de prospérité par le concours de ses filles et de ses fils et au moyen d'une administration publique régénérée et efficace. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots « C'est possible ». Il est possible non seulement de rêver grand pour notre pays, mais aussi et surtout de le rendre plus beau et plus grand par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'une fois pleinement opérationnel, cet ouvrage produira des résultats très positif à travers son utilisation, ce dont
je me réjouis d'ores et déjà. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celles du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. Voilà pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au nom du peuple congolais et au mien propre à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette magnifique réalisation. La République vous est et vous sera infiniment reconnaissante. Puisse cet ouvrage ne constituer que le début d'une ère nouvelle pour notre chère République et se muer en un réel vecteur de progrès et de prospérité par l'emploi qu'il aura procuré aux Congolais, par la simplification des procédures et le gain de temps qu'il aura fait bénéficier aux administrés, sans oublier la splendeur qu'il aura apportée à notre capitale. Que vive le centre financier de Kinshasa, que vive la coopération Turquie-RDC, que vive la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Oui, c'est possible, c'est le maître de la cérémonie de remise des cadeaux de la République dans son grand oral de quelques minutes seulement. Il a dit, cela ne rentre pas dans des pratiques protocolaires. Il a voulu dire un mot, en tout cas aujourd'hui, à l'occasion de cette inauguration. C'est un motif de fierté et de satisfaction pour lui qui a conçu ce programme il y a seulement 18 mois pour ce qui passait ici. Il y avait une espèce de trou noir, il n'y avait rien. Et aujourd'hui, voilà, 6 bâtiments sortis des terres, visibles en tout cas pour tous ceux qui viennent ici. Et surtout cette transformation qui s'est opérée cette dernière semaine. Alors là, le patron de Milvest va offrir des cadeaux au président de la République, un échange des cadeaux, un moment important en tout cas, voilà. Et... remise des cadeaux, les photographes soyez prêts. Que le ministre d'État du Budget et le ministre des Finances se préparent pour leur cadeau à offrir au président de la République. Pona kosila na na banguna ya Congo. Les ennemis de la République démocratique du Congo. Une séance voilà de photos un cadeau spécial du président de la République avec la famille Turan. Voilà, c'est la séance photo en tout cas pour immortaliser cet instant. Voilà les trios qui est dans l'accomplissement de cette œuvre grandiose. On rappelle Kinois que le même groupe Milvest est en train de construire l'arena de Kinshasa. En tout cas, c'est une des grandes salles de spectacle. C'est du côté du stade des Martyrs pour ceux qui fréquentent l'avenue des Huileries. Ou encore la venue triomphale.
On voit également sortir des terres une infrastructure géante, U-Arena. Voilà une maquette de... Ça, c'est une maquette, c'est le cadeau de deux bénéficiaires, le ministre du budget, celui des finances. Voici à quoi ressemble cette infrastructure qui a été inaugurée aujourd'hui, encadrée par Rémi Bojisangara, ministre du budget, et Nicolas Kazadi. Ils vont également Madame poser Mireille pour la postérité. Mouila, M. Yannick Kachila et M. Malken Tabalyonglou à se joindre pour la photo de famille avec le président de la République. Je ainsi que le groupe Milvest est en train de construire en ce moment l'aréna de Kinshasa. C'est une salle des spectacles qui est en train d'être construite dans l'espace compris entre le Palais du Peuple et le Stade de Martyrs. Le même groupe a également arraché les travaux de la Foire internationale de Kinshasa. Cet espace devrait retrouver en tout cas son prestige d'antan avec les manèges et tout ce qui fait le bonheur des enfants. Et ce n'est pas tout, le plus grand projet après le centre financier sera l'aéroport international de Kinshasa, dont on a vu une maquette ici tout à l'heure. Alors, à voir la vitesse avec laquelle cette entreprise exécute ses contrats, on peut croire que dans les 2-3 ans qui suivent, Kinshasa aura un nouvel aéroport, dès qu'il y a un nouvel aéroport pour remplacer l'aéroport de Njili. Et nous rappelons que cet aéroport, même dans les conditions actuelles, a l'une des plus longues pistes du monde, la piste de l'aéroport international de Njili, qui est longue de 4 km, donc plus de 4000 mètres. C'est l'une des longues pistes du monde, nous disons bien. Vous pouvez vérifier, il est plus long que beaucoup d'aéroports africains, malgré l'état peu honorant, en tout cas, de l'aéroport. Mais la piste est l'une des plus longues du monde. Et ça, vous pouvez vérifier pour tous ceux qui pourraient douter. Voilà, nous venons là de... Nous sommes en train d'aller lentement, mais sûrement, vers le clou spectacle, parce que dans les minutes qui suivent, nous allons suivre un spectacle éblouissant. Ça se passera en dehors. Vous allez voir le bâtiment de ce centre des finances de Kinshasa. Ce spectacle haut en couleur et qui va donc terminer cette cérémonie. Pour l'instant, on en est donc au niveau de la prise des photos, tous les acteurs, les membres du gouvernement qui étaient ici et qui encadrent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont des photos officielles, des photos souvenirs, des photos de famille à l'issue justement de cette cérémonie riche en couleurs, celle de l'inauguration. Voilà le chef de l'État qui salue le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kengé ainsi que la délégation turque des Milvest, n'est-ce pas, cette entreprise turque qui a construit le centre financier de Kinshasa dans 14 mois, n'est-ce pas, c'est une grande première, des 6 immeubles qui sont sortis des terres, notamment les 2 tours jumelles que vous avez vu tantôt sur la vidéo, des tours jumelles du centre financier qui vont abriter justement le ministère des Finances, le ministère du Budget, qui va abriter, ces 2 tours vont abriter également d'autres services connexes du ministère des Finances et du Budget. Et voilà, la délégation va maintenant prendre part, assister au spectacle qui sera offert juste en dehors de cette salle de congrès. Il y aura des feux d'artifice, il y aura également des jets d'eau. Et pour vous dire qu'au-delà des aspects financiers de ces centres financiers de Kinshasa, c'est en même temps un lieu d'attraction, un lieu touristique, parce que du haut de ces 15 étages, n'est-ce pas, cette tour, ces 2 tours, offrent une vue panoramique sur le fleuve Congo et même sur la ville de Kinshasa. L'entreprise Milvest, après justement la livraison de l'ouvrage, hein, parce qu'il va livrer l'ouvrage aujourd'hui, cette entreprise Milvest, l'entreprise turque, va construire l'aéroport d'Njili, va réhabiliter la foire internationale de Kinshasa Fikine,
va également construire un aréna, donc une enceinte sportive, un peu comme l'aréna de Paris. Nous aurons aussi l'aréna de Kinshasa, une enceinte, un complexe où peuvent être organisées des activités sportives, où peuvent être organisés même des concerts. Les 1200 invités qui étaient dans la salle de congrès sont en train de suivre le président de la République en ce moment. Ils vont s'installer devant, tout autour de la fontaine, pour voir de près ces spectacles haut en couleur qui va marquer l'inauguration du centre financier de Kinshasa. C'est qui est en train d'être salué par le président de la République. On salue ici les infrastructures, on apprécie la qualité des infrastructures, mais surtout, on applaudit la vitesse de travail. 7 immeubles en l'espace de 14 mois. Donc, le président a raison de dire qu'il est donc possible de faire des miracles dans ces pays. Il est possible de transformer notre environnement. Il est donc possible d'avoir de méga infrastructures. Donc, ce qui a été fait par Milvest ici donne des idées, en tout cas, au président de la République. Mais déjà, on sait que dans les 6 mois, nous aurons le Marriott Hotel, en tout cas, l'un des labels prestigieux dans le monde d'hôtellerie qui va atterrir ici à Kinshasa avec quelques 2400 chambres de luxe, avec 4 suites présidentielles. Il y aura également des suites juniors et tout ce qui fait d'un hôtel 5 étoiles, c'est-à-dire que deux piscines suspendues sur les hauteurs, des salles de réunion, des espaces commerciaux, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe également. Bref, tout ce qui fait tous les conforts reconnus à un hôtel 5 étoiles du label Marriott. Et pour l'instant, donc, c'est ce centre, c'est cette salle de congrès, cet amphithéâtre de 3000 places extensibles. Nous rappelons que c'est 3000 places extensibles, donc on peut augmenter la capacité. Et je crois que dans sa forme finale, nous aurons toute la pleine capacité de ces lieux de prestige. Pour l'instant, nous allons recevoir le signal de notre régie qui se trouve de l'autre côté. Il s'agit bien du spectacle haut en couleur. Et nous allons donc nous positionner pour voir ces spectacles. Et voilà, nous allons donc, en attendant d'avoir les signals de l'autre côté, pour voir ces spectacles inouïs qui nous sera donc proposé tout à l'heure. Au Congo, Astrid, sachez que ce projet a créé 3000 emplois, n'est-ce pas? Juste la construction de ce centre financier, 3000 emplois, dont 1800 Congolais et 1200 Turcs qui ont travaillé de jour comme de nuit pour nous offrir ces beaux bâtiments, ces 6 immeubles. Vous avez suivi le président du conseil d'administration de Milvest. C'est eux justement qui ont construit le ministère des Finances de la République de France. Ils ont beaucoup œuvré dans plusieurs pays à travers le monde. Et aujourd'hui, c'est le tour de la République démocratique du Congo. Moi, vous savez, ce sont des gens qui travaillent, qui font un travail de fourmi. Hein, pendant que les uns sont en train de dormir, eux, la nuit, ils travaillent avec leurs camions pour acheminer les moellons, les caillasses, le sable, les ciments gris. Et voilà, aujourd'hui, dans 14 mois seulement, dans une année et 2 mois, et aujourd'hui, Kinshasa est doté d'un centre financier. C'est une grande première, un peu comme à Washington, les centres financiers de Washington, les centres financiers de Paris et d'autres grandes villes du monde. Et la RDC en a un, Astrid Okongo. Kweli watu wasikizi wapenzi watizama wapenzi wa television ya raia, mnatoka kuona hapo nyumba kubwa yenye kwani magorofa 6 kubwa kubwa imetoka kujengwa muda wa miezi 14 tu. Pia ni shirika hiyo ya Uturkia, ya shirika Milvest Company ya Turkia, ndio iliweza kabisa kujenga na iliweza vile vile kuunda makazi kwa wakongomani, sababu zaidi
ya wakongomani 1,800 waliweza kupata kazi, pia waturki ya elfu, zaidi ya 1,200 waliweza kutumika kabisa kwa kuweza kukamilisha majengo ya magorofa hizo kubwa kubwa sita. Na kati ya magorofa hivyo kutakuwa manyumba ama mashirika yenye kuhusika na kuingiza pesa katika mfuko wa serikali, pia wizara wa pesa utaweza kuwa katika magorofa hizo, wizara wa budget, pia makazi zingine za DGI, DGDA na vile vile DGRAD wataweza kuwa kabisa katika magorofa hizo kwa kuweza kutumika kazi yao vizuri, kwani majengo ya magorofa hizo kubwa kubwa sita ndani ya mji wa Kinshasa inaonesha kweli kama ni kufanya ni kupenda. Wakati unapenda kufanya kitu, ni sherti utaweza kuikamilisha. Pia katika magorofa hizo kutakuwa vile vile kuna hotel kubwa yenye itakuwa na vyumba vya kulalia yapata 215. Basi kazi hiyo iliweza kujengwa muda wa miezi 14 tu, haikuchukua miaka miwili, miezi 14 tu, ni kusema mwaka moja na miezi miwili. Basi ni kazi kubwa kabisa yenye iliweza kufanyika, lakini kuna kutokana tuna mahusiano ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uturkia, kuna makazi ingine yenye itaweza kuendeshwa vile vile, sawa vile majengo ya uwanja wa ndege ya Njili, kweli matengeneo ya Fikine, yani soko kuu ya maonesho ya Kinshasa, na kuna vile vile majengo ya arena, ni kusema ni nafasi moja ya michezo yenye itaweza vile vile kujengwa huko pembeni ya uwanja wa Mashahidi. Ni kutokana tu na mahusiano hiyo ya Uturkia, ndiye makazi hiyo nayo itaweza kukamilishwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi pesa ya wa shirika hiyo Milvest Company wa Turkia aliweza kabisa kusema na aliweza kutoa ongera kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kazi hiyo yenye anatoka kukamilisha kabisa muda wa miezi michache tu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia aliweza kumsifia kabisa, ni kusema kwamba rais wa jamhuri naye vile vile aliweza kusifia kazi yenye waliweza kufanya, na anatoa shukrani kabisa kutokana na mahusiano ya Turkia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu makamilisho ya majengo hiyo ya magorofa hizo sita yenye zimetoka kujengwa ndani ya mji wa Kinshasa, yani centre financier ya Kinshasa. Oscar Ka. Merci beaucoup Astrid Okongo. Rigobert pour le compte du Congo. Nous allons, avant de prendre justement la deuxième partie de cet événement, avec l'inauguration justement de ces centres financiers. Ya keleka bampange lozolo beto kele na komini ya Gombe au na bwala kifumo Kinshasa simu na simu na inzo ketala mambo yangu isani tiba inzo ya Banzenza ba insi ya Banzenza muzolo tuba kwa kuna lueka kele Palais de la Justice beto kele na kativana na dishimu na kutubila mambo ya kuzibula inzo ya nene nene ya ya kena kuyamba mambo keta la Kinkita, mambo keta la Mbongo, mambo keta la Inki Mutindo, beto lenda ilama sambo Kinkita ngo kwenye nantola na insi na beto Republika Demokratiki ya Kongo, kele dibanza ya mfumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kele dibanza ya Ngwisani ya Ngolo na kati ya insi ya Turki ti insi ya Republika Demokratiki ya Kongo. Tala Bangwisani ya Mutindo ya eke kusabuta bambuma ya kitoko beto kena kumona awa na bwala kifumu Kinshasa mapange lozolo benufona zabati Lungaka Kibeni, Lombaka Muzola Tuba, Bangonda Kumina Ia Mvimba, Samu na kutunga inzo yai ya Mutindu yai. Nantangu betike na kuvingila fetifeti, Samu na kubaka kitini ina ya Nganda, Sambu ya vwanda kitoko ya Ngolo na kumona Mutindu kepela Mwinda Maza kezibuka, Samu na kumona kitoko ya inzo yai, betike na kutubila mambu ya Ngo. Disongidila awa na kati kele tiba inzo ya Inda, Sambanu ya Mvimba. Na kati ya ba inzo yae, kele ti hotel mosi ya nene ya kuluta ba suku, nkama zole ti ndambu, sambo na kuyamba, banzenze ya Mutindo. Awa betike kwena na Nganda kuna
na kumona kibansala inki mutindo bame idika kisika maza kena kusala bantaka inki mutindo bantuke na kuilama sambu na kumona kitoko ya lupangu yai nganda ya mvimba mutindo meilama inki mutindo mamufana salama disongidila na kuyamba bantu ya vwanda na nganda ya vwanda na kati bisika ya kufuana ya matoma mutindo na mutindo bake bukila parking banzila mutindo na mutindo na kukotila mputu ya uyai mekulumuka na isi na beta Republique Démocratique ya Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo metu bati yakele yakeleka beto mpi lenda katula na tonfi na beto mabanza ya kuvwanda bonso bansiona baina ke kwenda kumona kaka kitoko na mputu kuluta mbote mputu na beto ya vwanda kaka au na isi bambuta bikila ka beto. Beto kele na nganda vana na kumona inki mutindu kitoko kele. Tala mutindu badisi kulu metu bama mosi na mosi na katikati awa kompani mekusa tunga inzo ya kitoko kibansara ya mutindu yae. Bambuta bantuadisi mekusa tendula na kutuba mambu mutindu na mutindu. Inki mutindu bandila kati bubu yae ngonda kumi na iya ya mvimba. Na ndambu wakaka bambuta ketala mambu ya mbongo to finance na Congo Democratique metendula inki mutindu mbongo basikaka dibanza katukaka wapi ya seleka dibanza kele ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na ndambu wakaka kutubila diaka mambu mutindu ya kufukisa bisalu na Congo Democratique bametuba yao. Disongidila na kati awa ya mambu nyonso difunda mosi na nkama tano ya bisadi kele ya banko wa Turki, tala mutindu mafunda tatu ya mvimba ya bakongole nekota awa na kusala bisalo. Disongidila kutunga inzo yae, bamanaka ya mutindu yae, kele ina kena kukulumuna bumputu, kekatula busomele, kepesa kibeni kikesa sambu na bakongole na kutela madiaka. Penofona zabati, ba engineer ina nyoso ya Kongo kotaka na kati ya kutunga inzo yae, bapange luzolo, bamebwela mayele na zulu ya ina bavonaka na yao, sambu kaname kusa tunga madiaka mbara ya nkaka atako ya prive, andi tatunga yao na mutindu mosi ya mbote na kubakusa bamambu mingi. Mpamba ve, ngwisani yae na kati ya insi ya Turki, ti insi ya Republique Démocratique ya Congo, ke buta kaka bisalu ve, ke buta kaka balabala ya kitoko ve, ke na kubuta mpiba mayele ya impa ya kuyidikila bwala na beto. Na manima ya mambu yae, kele banko wa Turki na kompani ya Milvest, ke sosa diaka kutunga kisika ya bansaka ya kitoko pene pene ya stadi ya Martir na bwala kimfumo Kinshasa. Na ndambu wankaka ba utakuenda diaka kutunga na Foire Internationale ya Kinshasa limete lemba mpe kukwenda ntama mingi na nganda ya avion ya njili. Samu na kujidika yao ya kumadiaka kitoko. Disongidila mputu ya betuke monaka na mputu na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beto tamona yao awa na Republique Démocratique ya Congo. Mbuta jisikaru kusema tala mputu mekuma na Congo Démocratique. Nge metu banki. Matondo mingi mpangi uko vuswaye apai kongila akingu njileta akitaku kimula kwati akasumbalesa partout où vous nous suivez. Nous sommes donc en direct ici au centre financier de Kinshasa, cette méga infrastructure qui va être inaugurée dans les instants qui suivent par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est en train en ce moment de faire les tours de propriétaires avant de lancer le feu d'artifice. Un spectacle en tout cas voulu, éblouissant et haut en couleur pour marquer cette fête, celle de voir en tout cas sortir des terres de telles infrastructures en un temps record. Alors vous voyez, vous remarquez que tous les invités ont déjà pris place tout autour de la fontaine qui a été aménagée. On n'attend plus que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ceux qui sont encore dans leur salon, ne zappez pas, ne zappez surtout pas, ne changez pas de chaîne, car vous allez voir dans les instants qui suivent ce spectacle qui a été bien préparé pour couronner ces moments. On rappelle que depuis le début d'après-midi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son rythme normal en tant que chef de l'État et il a consacré l'après-midi d'aujourd'hui à l'inauguration d'une série d'infrastructures d'intérêt communautaire. Il a d'abord été au campus de l'Université Pédagogique Nationale où il a inauguré un nouveau campus, de nouveaux bâtiments qui comprennent en tout 42 auditoires
ce qui fait le bonheur de 24 000 étudiants répartis dans 10 facultés et une quarantaine de départements. Dans un deuxième temps, le chef de l'État est passé par l'ex-hôpital Mamayemo, rien à voir avec ses dispensaires d'il y a 111 ans, ou encore cet hôpital qui symbolisait la déliquescence de l'État congolais, presque un mouroir aujourd'hui. Tous ces bâtiments ont été démolis pour laisser la place à des bâtiments des bâtiments sur plusieurs niveaux. Un hôpital qui a même changé de statut, ce n'est plus l'hôpital général de Kinshasa, mais le centre universitaire de référence qui s'appelle Renaissance, un hôpital de niveau tertiaire. En fait, c'est l'hôpital des hôpitaux. C'est cet hôpital qui devrait recevoir tous les cas jugés impossibles par les autres centres hospitaliers. Et pour l'instant, il n'y en a que trois. Trois, les centres, les cliniques universitaires, mais qui sont encore dans un état de Renaissance, de refondation. Il y a l'hôpital militaire du Kanchachi et aujourd'hui l'ex Mamayemo. Et dans un avant de venir ici, le président de la République a fait un tour du côté du marché central où également sortent des terres de pavillons. Et là également, les travaux se déroulent normalement, ce qui apporte un démenti à ceux qui ont cru que le marché central était vendu. Non. Des travaux d'Hercule s'y effectuent et au courant premier semestre, ce bâtiment sera inauguré. Et aujourd'hui, on est donc là. Le président de la République est en train de faire le tour dans ces complexes immobiliers. Il devrait arpenter surtout visiter le bâtiment du ministère des Finances et celui du budget qui sont des immeubles phares. Il y a d'autres compartiments qui sont en pleine construction. Il faut reconnaître ici que les travaux se poursuivent encore. Et comme l'a dit le ministre, c'est au mois de juin de cette année qu'on devrait inaugurer, par exemple, l'hôtel Marriott avec ses 240 chambres de luxe et ses 4 suites présidentielles. Des suites juniors, des restaurants de luxe, des boutiques de luxe également et tout ce qui apporte du confort. Alors, nous allons procéder au décompte. Avant de ce spectacle grandiose. Un spectacle qui arrivera au moment où le président de la République aura coupé le ruban symbolique pour marquer donc l'ouverture du centre des finances de Kinshasa. Voilà, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin. Voilà les deux tours jumelles du centre financier. C'est des images réelles, s'il vous plaît. Ce n'est pas des images 3D, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est des images réelles. Alors, pour ceux qui peuvent avoir une vue sur Gombe, je vous conseillerais de sortir de chez vous et d'avoir un regard sur la commune de Gombe, pour ceux qui habitent les hauteurs de Binza, par exemple, ou encore le plateau de l'Université de Kinshasa. Vous pouvez voir de là où vous êtes ces spectacles hauts en couleur à partir du cœur même de la commune de Gombe, ici au centre financier de Kinshasa. Voilà, là nous sommes juste en face du palais des justices qui abrite également le ministère des affaires, le ministère des justices. Et retenez que la construction du centre financier de Kinshasa est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie, une méga structure qui est sortie des terres. Justement, elle est située entre le palais des justices, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la fonction publique, ainsi que l'Athénée et de la Gombe, dans la commune portant le même nom, c'est-à-dire la commune de la Gombe. Comme vous l'avez remarqué, tous ces invités de marque qui seront rejoints tout à l'heure par le président de la République, ainsi que le président du conseil d'administration de l'entreprise
Milvest, une filiale de la firme turque Miller Holding, qui a construit ces complexes. Donc tout ce monde va assister tout à l'heure à un spectacle inouï, d'abord à un jet d'eau d'une certaine hauteur, n'est-ce pas? Et puis il y aura le feu d'artifice pour marquer justement l'inauguration de ces centres financiers de Kinshasa, qui va désormais abriter pratiquement tous les services de l'administration des finances au niveau de Kinshasa. Entendez, les ministères des finances sera logé ici, bien que le bâtiment qu'il occupe présentement sur le boulevard du 30 juin, c'est un bâtiment acquis sur fonds propres. Et ces ministères vont se délocaliser pour venir s'installer ici au centre financier de Kinshasa. En plus du ministère de finances, il y aura également le ministère du budget. Ça va faciliter justement l'administration. Point de besoin de quitter l'immeuble intelligent avec des documents pour aller les déposer au ministère de finances dans le cadre de la chaîne des dépenses. Vous savez, le ministère de finances, c'est pratiquement les caissiers de la République, n'est-ce pas? L'ordonnancement, ça vient du ministère du budget, ça suit tous les circuits et ça arrive au ministère des Finances, tous les dossiers de paiement, les ordres de paiement, les OP, arrivent au ministère des Finances et c'est les ministres qui donnent l'ordre à la Banque centrale du Congo, bien sûr, en passant par les circuits de la chaîne de la dépense pour paiement à la Banque centrale. Et voilà. Et tous ces services seront rapprochés. Après, donc, en dehors du ministère du budget qui sera logé dans ces centres financiers, il y a également les trois régies financières. Quand je parle des trois régies financières, je fais allusion ici à la DGRAD, à la Direction Générale Domaniale des Participations, n'est-ce pas, des recettes domaniales et des participations DGRAD. Je fais allusion ici à la DGI, la Direction Générale des Impôts. Je fais également allusion ici à la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Accises. D'autres, il y a certaines régies qui seront logées entièrement ici au centre financier de Kinshasa, comme la DGRAD, mais d'autres services vont rester à leur endroit habituel, mais une partie sera déportée ici au centre financier de Kinshasa, notamment certains services de la DGDA. En dehors de ces services, il y a d'autres services connexes qui seront également logés ici au centre financier de Kinshasa. C'est notamment les BCECO, les bureaux centrales de coordination qui sera logé ici au centre financier de Kinshasa. Il y a d'autres services qui seront tout naturellement, qui vont trouver de la place ici au centre financier de Kinshasa. C'est quand même deux tours jumelles de 15 niveaux chacune, n'est-ce pas? C'est pas une mince affaire. Et puis avec une piste d'atterrissage sur le roof, comme on dit en anglais, sur le toit de chaque immeuble, une piste d'atterrissage pour des hélicoptères. Voilà. Si un visiteur, un hôte de marque, désire loger parce qu'il y a un hôtel qui sera construit également dans cette enceinte, parmi les 6 immeubles dont on parle ici, il y a l'hôtel, un hôtel 5 étoiles qui sera donc construit ici. Ce sera donc une grande première avec une capacité de plus de 240 chambres. Avec des suites présidentielles, des suites seniors et des suites juniors. Donc, c'est une grande première. Et l'ouvrage dont l'inauguration sera effectuée tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coûté plus de 290 millions de dollars américains dans cette joint venture, dans ces contrats, dans ces partenariats signés entre la République démocratique du Congo et la Turquie. 3000 agents, 3000 emplois ont été créés parce qu'il y a 1200 Turcs et 1800 Congolais qui ont travaillé dans la matérialisation de cet ouvrage. Ça, c'est des chiffres liés à,
à l'exécution des travaux, mais d'autres emplois vont s'ajouter lorsque l'hôtel sera opérationnel. Les autres compartiments les seront aussi. Donc ça fait donc partie de dividendes attirés. En fait, il y a beaucoup de faits d'entraînement, comme on dit. Et alors, on se rend bien compte que tout est mis en place, en tout cas du côté de cette fontaine, où on n'attend plus que le président de la République, chef de l'État, qui en ce moment est en train de faire les tours de propriétaires dans ces complexes immobiliers. Il visite quelques compartiments qui sont prêts et d'autres qui laisseront dans les 6 prochains mois. Personne ne veut rater ces spectacles haut en couleur. Tout le monde est là et on n'attend plus que le président de la République pour vivre cet instant. Je rappelle que c'est aussitôt après la coupure du ruban symbolique que ce spectacle va commencer pour terminer en beauté cette journée qui a bien commencé. Je rappelle le grand moment d'aujourd'hui, c'est l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'Université pédagogique nationale dans la commune d'Engaliema. Le deuxième moment fort a été l'inauguration, la mise en service de l'hôpital Mamayemo, complètement rénové et même rébaptisé. Et puis, la visite du marché central de Kinshasa en pleine construction, des travaux évoluent à la satisfaction du chef de l'État et de l'hôtel des villes de Kinshasa. Et enfin, l'apothéose, c'est ce moment précis. Alors, on le sent, le président de la République est perdu au milieu de la foule. Il est là, va couper les rubans symboliques pour donner l'ego de ces spectacles que beaucoup attendent, en tout cas à commencer par nous qui sommes ici sur place, pour marquer cette cérémonie. Merci Giscard Koussema. Le président de la République avance parce qu'il est tout le temps freiné, n'est-ce pas? Il est noyé dans cette immense foule d'éminentes personnalités. Des nuits sans interruption, Congolais et Turcs ont travaillé pour la construction et l'achèvement de ces centres financiers de Kinshasa, une grande place. Moi, je vais considérer ces centres comme étant la bourse de Kinshasa. Ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Parce que c'est pratiquement le même design que les centres financiers de Washington aux États-Unis d'Amérique, pour ceux-là qui ont déjà été au pays de l'oncle Sam. Et c'est une très belle image, au-delà des aspects administratifs, des aspects financiers. Ces centres. J'ai admiré cette très belle image de l'extérieur du centre financier de Kinshasa. Le président de la République va couper ses rubans tricolores pour donner la voix à ses spectacles. Il va donc couper les rubans symboliques. Et voilà, nous sommes, c'est l'image réelle, c'est l'image de, en ce moment. Il ne s'agit pas des images générées par l'intelligence artificielle, il ne s'agit pas non plus d'une maquette. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien en pleine cérémonie ici à Kinshasa Gombe, devant le centre financier de Kinshasa. Et d'ici quelques instants, nous allons rester sur ce plan pour voir les spectacles qui vont suivre. Le président de la République va couper les rubans symboliques en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé, en présence du ministre du Budget, Medboji Sangara. Et voilà, c'est fait. Le spectacle qui est lancé. Nous allons donc apprécier ces beaux spectacles ici dans la commune de Gombe. Je vous laisse apprécier. Et voilà la vue aérienne de deux tours jumelles. Voilà, feu d'artifice. Let's go.
possible à la RTNC de produire de telles images. Regardez ces images uniques. Bravo donc à l'équipe de la RTNC avec tous les efforts qu'elle fournit pour essayer de travailler, mais il y a encore du travail à l'interne. Mais voilà, tout est donc possible. Regardez ces spectacles que nous offre aujourd'hui les centres financiers de Kinshasa et que vous ne pourrez voir nulle part ailleurs qu'à la RTNC. Oui, Giscard Koussema, chapeau bas à la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue-Nyembo, chapeau bas au ministre de Médias, Patrick Muyaya, chapeau bas à tous les conseils d'administration de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, chapeau bas Giscard Koussema, vous aussi, ainsi qu'à toute l'équipe de la présidence de la République pour ces belles images, pour cette vue panoramique, une vue aérienne. Là, c'est les jets d'eau. Donc, vous voyez, au-delà des aspects financiers, comme je le disais tantôt, de l'administration des finances, ça sera aussi un lieu d'attraction, un lieu touristique. Tous les Congolais vont commencer à converger en ces lieux, surtout pour les mariés, les nouveaux mariés. Ils viendront prendre des photos en ces lieux jusqu'à Koussema. Et à ces résultats, il nous a fallu beaucoup de séances de travail de jour comme de nuit avec des équipes turques qui sont venues en renfort ici, qui ont travaillé jour et nuit et qui sont encore là. Regardez ces spectacles, ça ne se passe nulle part ailleurs. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dans les mois qui suivent, nous aurons des infrastructures de ce genre. Déjà, la foire internationale de Kinshasa va renaître. Il y a aussi l'aéroport international d'Njili. L'aéroport international d'Njili, dont on a vu la maquette ici. Nous allons consacrer un reportage là-dessus. Hein, la première pierre aurait pu être posée pendant la période qui vient de se passer, à Paris de campagne. Mais cela sera fait dans les prochains jours avec le même groupe, l'Arena, pour ceux qui doutent. Allez vers le stade des Martyrs, vous verrez la vitesse avec laquelle cet meuble est en train de sortir des terres. Et c'est une question de mois. Parce que les travaux se font des jours et des nuits. Effectivement, avec c'est des gens qui travaillent jour et nuit, des Turcs et des Congolais. Et avec leur vitesse de travail, on peut penser que cette aréna peut être inaugurée déjà au cours de l'année 2024. Pour l'instant, nous sommes encore ici à la Gombe pour apprécier ces jets d'eau, ces spectacles son et lumière pour marquer la fête de l'inauguration du centre financier de Kinshasa. Voilà, la fête continue parce que le président de la République vient de donner les go pour justement le démarrage des activités dans ce centre financier de Kinshasa. Je m'imagine que le déménagement pour le ministère des Finances n'est rien à faire des jours, parce qu'il faut quitter juste le boulevard du 30 juin et venir du côté du palais de justice où se situe le centre financier de Kinshasa. Ce qui est beau à voir, Giscard Koussema, nous qui sommes venus un peu plus tôt, toutes les artères qui longent, qui contournent, qui passent par les centres financiers de Kinshasa ont été refaites. Oui, des travaux d'Hercule ont été effectués ici, hein, non seulement pour le bâtiment, effectivement, les accès, mais l'un des chantiers qui nous a impressionnés, c'est qu'ils ont ouvert une galerie souterraine qui part d'ici jusqu'au fleuve Congo. Ils ont ouvert la route pour placer une galerie qui va ramener toutes les eaux provenant d'ici jusqu'au fleuve Congo, et cela s'est fait en un temps record. C'est cela, et toutes les voies qui mènent vers le centre financier ont été asphaltées, travaillées avec le groupe Milvest, et ça va faciliter en tout cas l'accès, la fluidité de transport, surtout pour les parents qui viennent chaque matin déposer les enfants au niveau du collège Boboto ou encore du lycée Bossangani, Sacré-Cœur. Donc toutes ces voies ont été bien aménagées et ouvertes aujourd'hui. Et le président de la République l'a emprunté et tous les autres invités également ont emprunté la même voie. Mesdames et messieurs, c'est des images réelles. Et à partir du centre financier de Kinshasa, ces complexes immobiliers qui va ajouter un plus à la beauté de la ville de Kinshasa. Et le spectacle vient donc de prendre fin. Place donc à la fête partout où vous êtes. Retenez que
C'est possible, comme l'a dit le président de la République, il est possible. Il faut juste une volonté politique. Il faut une volonté politique. La vision et les chefs de l'État a fait preuve justement de sa clairvoyance pour que on en arrive là. Vous avez parlé d'héliport tout à l'heure. Effectivement, chacun de ces bâtiments est doté d'un héliport et donc il peut recevoir un hélicoptère sur son toit. Et donc c'est des bâtiments ultra modernes. Ultra moderne et je sais que pendant les travaux, il y a des badauds qui venaient juste apprécier comment on pouvait exécuter de grands travaux en un temps record. Voilà, Giscard Koussema, Kinshasa, la RDC, pays des grands événements. Et nous sommes à l'affût de l'actualité, nous en tant que RTNC, médias publics, la radio-télévision nationale congolaise, avec ses nouveaux équipements, des nouveaux cars, des reportages, des cars, des 12 caméras, 24 caméras haute définition avec des drones. Nous vous offrons ces images haute définition. Voilà pourquoi. De loin, hein. Regardez. Les creux noirs, c'est simplement le fleuve Congo, ce boulevard naturel qui sépare les deux pays. Au fond, on sait voir la ville de Brazzaville. Nous sommes bel et bien à Gombe, ici au nouveau centre financier de Kinshasa qui vient d'être inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être un petit détail avant de donner la parole à Astrid au Congo. Ce centre financier de Kinshasa a un parking de 1200 véhicules, s'il vous plaît. 1200 véhicules, un parking souterrain, n'est-ce pas, et un parking sur la surface. Donc, un parking qui peut accueillir, recevoir plus de 1200 véhicules. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de terminer cette retransmission en direct. Et voilà, les centres financiers et là, de Kinshasa, tous les ministères relevant justement de finances et du budget seront logés ici. Et voilà, vous avez été nombreux à nous suivre à travers le pays, à Kasumbalesa, à Mukambo, à Lukangaba. Vous nous avez suivis dans les grands Kassa. À l'État, à Kipalanga. À Kipalanga, à Zakari, dans les. À qui nous avons été. À Kibombo, vous avez suivi à partir de Gemena. Des Zongo dans la province de l'ex-province de l'Équateur. Vous avez suivi de partout à travers le pays. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à Androkwa Maxime qui nous a proposé ces belles images avec toutes nos équipes. Merci à Étienne. Merci à tous ceux qui étaient au réseau RCN. C'est là qu'ils nous ont proposé justement Ado Mujangi et toute l'équipe du soir. Nous vous disons sincèrement merci Rigobert. Nous disons merci à Astrid au Congo. Merci Evelyne Koulamba qui est à la réalisation. Merci Giscard Koussema. Merci à toute l'équipe de la RTNC pour ces belles images qui rentrent désormais dans l'histoire. Le centre financier de Kinshasa a été construit pendant 14 mois et l'ouvrage a été présenté, inauguré, réceptionné aujourd'hui à un jour du vote, donc le 19 décembre 2023. Nous vous disons merci et nous remettons l'antenne à nos amis pour le journal de la en version française avec Anita Luambwa. Et là, c'est la délégation turque ainsi que les chefs de l'État qui sont en train de prendre congé de l'assistance. Heureux qui, comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contribué à l'achèvement, au parachèvement, à la construction de ces centres financiers jusqu'à. Avec le sentiment du devoir accompli, le président de la République, tout sourire, est au contact avec ses invités. Ils sont nombreux à avoir répondu à l'invitation leur adressée pour participer à cette fête qui marque en fait la révolution infrastructurelle de la République démocratique du Congo. Il est possible de changer notre environnement. Le président de la République qui s'offre en tout cas un bain de foule, un contact avec ses invités. Il va devoir donc prendre congé de nous, comme nous prenons également congé de tous nos téléspectateurs qui ont eu le plaisir de nous suivre à travers le grand moment d'aujourd'hui, un événement qui fera date et qui symbolise la renaissance de la République démocratique du Congo. Voilà, le président de la République vient de dévoiler la plaque
du centre financier de Kinshasa. C'est un moment symbolique important et la postérité retiendra qu'un certain mardi 19 décembre 2023, le président de la République a inauguré les centres financiers de Kinshasa. Merci Giscard, merci à vous tous qui nous avez suivis. Excellente suite de programme sur votre télévision. Excellente soirée à tous, au revoir.